Elle ressuscite Ragnos. Ah, calme-toi. Arrête de faire Talion, ça. On arrête tout. L'élève modèle de Kyle. Il est trop tard. Bientôt, Marka Ragnos reviendra pour annihiler les Jedi. Les Sith reprennent le pouvoir. Vous rêvez. Kyle m'a tout dit sur vous. Comment vous êtes parti en rampant après votre défaite. Silence, microbe! Je vais en finir avec ce minable de Kyle Katarn! Ma victoire, c'est la corruption de Roche. Et maintenant, votre mort va être dans le côté obscur. Oui. Jamais. C'est Katarn qui vous envoie? Bah non. Enfin, c'est un peu le Jedi. Allez. Tu vas faire quoi? On se jauge ou quoi? Oh non non! La meuf, elle a un sceptre. Ça y est. Ah oh non non! Je vais devoir vous poursuivre. Ah mais t'aurais voulu que je vienne de ton côté, vieille putain. Ça picouille. Grosse putain. Allez, prends ça. Et voilà, allez, tu je vas faire. Je ne rentrerai pas comme je l'ai fait devant Katarn. Mais tu vas ressusciter Ragnos et je vais me taper contre Ragnos. Qu'on ne me renie pas. Que? Par la force, Marka Ragnos. Un simple enfant Jedi ne va pas gâcher mon retour. Mais je suis chevalier Jedi. vous agenouillerez devant moi, Jedi. T'es dégueulasse, hein. Ah, il vole son corps. Oh, stylé le gars, une vraie épée. C'est Katarn qui vous envoie. Arrêtez et regardez-moi. Oh là là, c'est quoi son épée de ouf? Dommage. Oh la puissance. Allez, Kyle ou Luke, venez à mon secours. Il n'y a pas un pack de soins dans le coin. Faut que je les repère. La puissance. Mais... Non, non, non. Viens te battre. Je sais que vous êtes proche. Mais... Punaise, la puissance. La puissance de mes à-coups symphonés. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Arrête de couper le bâtiment là. Mais je vais te ramener au tombeau mon petit Marka Ragnos là. Mais vous êtes lâche à ce point. Mais c'est toi là. La lâche, t'avais besoin de d'un mec mort il y a. Ah excusez. Allez, Ragnos. Je vais devoir vous poursuivre.
Pour Frodon. Pour Seiya. Et pour la meute. Allez. Tu ne fais pas le poids. Très bien, la meute explose. Je reviendrai, Jedi. Non, non, tu reviendras pas. Je reviendrai et je vous détruirai tous. Oui, t'es juste un fantôme. Ça pue la merde, frère. Bon, t'as tué ton hôte. Faites condamner l'entrée de ce temple. Thug Life. Et tu vois, je dis le truc, elle le fait. C'est fou, la magie d'Internet. C'est fini. Ragnos ne sera pas ressuscité. Le sceptre est détruit. Et Tavion ? Morte. Lorsque Ragnos l'a possédée, son corps n'a pas supporté la corruption. Lorsque j'ai détruit le sceptre et que Ragnos a quitté son corps, il ne restait plus rien. Ouais. Jadon, vous en avez fait plus que nous ne l'espérions. Vous êtes un vrai Jedi. Merci, Maître Skywalker. Mais je n'aurais rien fait sans Kyle. Oh oui. Pour les compliments. Allez, on file. On filoche. Il se passe quoi là? Oui, puisqu'il y a un croiseur impérial sur la planète. Il se fait bolosser, frère. Bon, petite explosion, on peut pas finir un Star Wars sans une explosion, quoi. Ça fait plaisir. Kevin. J'ai entendu parler de la Nouvelle République. Les impériaux qui soutenaient les disciples de Ragnos ont été vaincus et les derniers disciples neutralisés. Il semble qu'ils aient perdu leur pouvoir lorsque le sceptre a été détruit. J'espère qu'on n'aura plus affaire à eux. Si j'ai retenu une seule chose, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Roche, j'espère que votre expérience vous aura appris la patience et l'humilité, qui feront de vous un excellent Jedi. Non, Kevin, oui, Maître Skywalker. Il sera jamais un excellent Merci. Jedi. T'as vu, sa coupe, son dégradé, il est Jadon, mal fait, frère. Vous avez combattu bravement, résisté au côté obscur et sauvé la vie d'un Jedi. Vous serez un membre précieux de l'Ordre des Jedi. Vous le méritez bien, Jadon. Vos talents dépassent ceux de tous mes élèves, et vous êtes un Jedi formidable. Merci à vous deux. Merci, Grelier. Mais il y a toujours une galaxie pleine de problèmes dehors. Ça vous dit une autre mission? On dirait bien que oui. C'est beau, ça.
Demain. Oh. On peut accélérer tout. La vitesse. Oh, il y avait George Lucas à la fin. Bon, ben voilà. Hein. Giorgio Lucasio, Star Wars, Jedi Academy, c'est fini. Et ouais les gars, et les filles, c'est fini. C'était une grande aventure, j'espère que vous avez kiffé. Personnellement, bah ouais, bah, c'est un bon petit jeu, j'ai kiffé vivre dans la peau de Jaden. Et puis voilà, genre, devenir un grand maître Jedi, ça fait plaisir. Genre, j'ai galéré. J'ai certains combats, même des situations extrêmement nulles, je suis mort. Mais bon, c'est le principe, l'effet gaming life, comme on dit. Et j'ai kiffé, ben, vous faire kiffer, ça, c'était le bon plaisir, le plaisir renouvelé. Le combat, les combats, donc voici, on vous voyait Jaden, donc c'est comme ça qu'on crée les personnages, on peut choisir, mais je vous montre vite fait, on pouvait choisir des humains, des races comme ça, des Greedo, et donc du coup, voilà, j'ai kiffé, je vais vous faire revivre cette petite aventure, genre, ça fait plaisir, voilà. Et puis voilà, c'est ému que ben, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Il y a déjà des choses qui sont prévues, de belles choses, des grandes aventures, des petites aventures. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez kiffé avec mes chansons légendaires, mon fail légendaire, et ma puissance, ma rage. J'aurais pu passer du côté obscur. D'ailleurs, je crois qu'on peut. Hein. On va regarder. Attends, est-ce que... Non, là, on pourrait passer du côté obscur. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est pas un projet. Je vais laisser ce Star Wars Jedi Academy... pendant quelques temps, mais bon, si on peut trouver, il y a des moyens de faire des petits, du petit contenu qui peut être sympathique, et je vais quitter un peu l'univers Star Wars, puisque bon, on en a assez mangé, on a eu Star Wars 7, on a eu Star Wars Jedi Academy par moi-même, et puis bientôt il y aura les nouveaux films, les nouveaux jeux, les nouvelles séries, voilà, donc du coup, c'était ma petite contribution à cette Star Wars Mania, et puis bon, j'espère que vous avez kiffé, je vous aime putain, je vous embrasse, bisous.